Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Si vous ne savez pas les raisons de mon absence, je vous glisse la vidéo, je vous explique tout dans le petit. Mais on se retrouve aujourd'hui de nouveau et c'est reparti pour un rythme régulier comme d'hab. Pour une séance de saut pour commencer, qui a été faite très récemment, avec Maureen et Philou et Jack et moi. Une séance qui s'est vraiment bien passée dans l'ensemble, c'était la première fois que les chevaux étaient remontés en même temps depuis avant le confinement, parce qu'en fait Maureen a repris avec Philou à la sortie du confinement, mais en montant toute seule. Moi j'ai continué à monter tout le confinement comme vous l'avez vu, mais de mon côté, donc tout seul. Et là c'était la première fois qu'ils étaient remontés ensemble pour une vraie séance. C'était la première fois que Jack réenchaînait depuis l'incident que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, qui est toujours donc dans le petit in. Donc pour Jack, ça a été un petit peu plus compliqué au niveau des courbes et donc les obstacles qui étaient dans les diagonales que vous verrez par la suite pour lui, parce que c'était un petit peu plus compliqué de tourner, mais sinon je trouve que pour une séance de reprise sur les enchaînements, ça s'est vraiment bien passé. Comme je vous l'ai dit, les obstacles dans la diagonale tombaient assez souvent, mais je trouve que pour une reprise c'était vraiment excellent. Donc je vous laisse avec les images et je vous débrieferai en allant. Donc comme vous avez pu voir, on a monté vraiment le parcours très progressivement. Là vous allez voir l'enchaînement final que nous allons faire sur ces images. Pour ce qui est de Philou, ça s'est vraiment mais extrêmement bien passé. Mais comme toujours, j'ai envie de dire, Philou était très allant. Il allait chercher ses barres. Quasiment aucune incompréhension entre Maureen et Philou. Enfin, vraiment très très bien. Le poney saute extrêmement bien. Tout passe, il ne fait tomber aucune barre. Donc sur ce point, c'est vraiment génial. Il se remet à juste dans ses courbes, donc c'est vraiment top. Pour ce qui est de Jack, donc comme je l'ai dit précédemment, c'était un petit peu plus compliqué pour lui de tourner dû à ses postes... à ses postérieurs un petit peu bloqués. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo dans le petit pour bien comprendre. Ce qui fait que nos courbes n'arrivaient pas forcément très bien dans les obstacles de diagonale. Donc les places ne sortaient pas toujours extrêmement bien. Donc ce qui nous vaut de faire tomber très régulièrement les attaques de diagonale. Mais pour le dernier passage, où bien évidemment je suis arrivé bien plus à ma place et dans un bien meilleur galop, forcément c'est passé, hein, il n'y a pas de recette miracle, quand tout est en ordre ça passe. Donc je suis très fier de lui pour cette reprise, car lui il faisait tout ce que je lui demandais et c'était plus moi qui n'étais pas forcément à ma place du fait d'être un petit peu perturbé par ses postérieurs qui ne suivaient pas forcément, on va dire. Et un autre gros point positif pour Philou, ça a été ses départs au galop du bas, donc pour chaque tour qu'il faisait, mais vraiment merveilleusement bien. Je pense que vous avez pu le voir là sur la vidéo. Donc c'est un autre énorme point positif. Donc moi je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous laisse apprécier les images de cette séance.